gens s'agiter. Est-ce qu'avant de le nommer, j'ai consulté qui que ce soit? C'est moi qui l'ai fait venir. Je continue de l'aimer. Mais s'il y a quelque chose, il y a des enfants et tout ça, qui pose. Non? Tu as mal fait. Je ne suis pas d'accord. Donc ça s'est passé comme ça. Et lorsque les résultats ont été proclamés, diffusés, bon, je vous ai dit, on n'a pas changé une virgule pour respecter l'indépendance de l'IGE. Mais je dois avouer que le jour où l'IGE m'a remis le document, j'ai ouvert, et c'est le jour-là que j'ai su que c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui a fait les travaux. Il dit, ah, c'est M. Lahani, puisqu'ils ont écrit que, comment dirais-je, c'est lui qui a géré l'affaire. Même malgré ça, j'ai appelé le ministre Nou de Guessi. Je l'ai appelé, le ministre Lahani. Il dit, répondez à l'IGE. Répondez à l'IGE. Et effectivement, j'ai vu que c'est monsieur le ministre Lahani qui m'a remis sa réponse. 24 heures après, quand je n'ai pas vu Nou de Guessi réagir, je l'ai convaincu, mais vous là, comment ça? Et la réponse? Et cela m'a dit, monsieur le président, je ne me suis pas occupé du dossier. Donc, ça vient confirmer ce que l'IGE a écrit. Ah bon? C'est le ministre, c'est le jour-là que j'ai su que c'était le ministère des Finances qui s'est occupé, disons, de la rénovation. Bon, mais naturellement, ça a suscité une polémique. Nous. Et avant d'aller au conseil, j'ai appelé les GIE. J'ai dit, mais le ministre Lahani vous a répondu. Vous tenez sur ce que vous avez écrit. Voici ce qu'il a écrit quand même. Il me dit, monsieur le président, ce qu'il a dit n'est pas vrai. On a dit, appelez là pour aller au conseil des ministres. Donc on est parti au conseil, et si c'est ça, je ne veux pas, puisque l'IGE en le créant, je tiens à respecter ce qu'il a écrit, ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on a balancé l'affaire, sans toucher aux virgules. Bon, moi-même j'ai vu les termes, en principe. Si je voulais tricher avec le peuple, mes chers compatriotes, c'était de prendre du cachet. Oui, du cachet. Je ne sais pas si c'est ce qu'il se faisait avant, mais j'ai dit de prendre du cachet et puis terminer. Les gens vont bouder, et puis c'est terminé, non? J'ai dit non. Mon cœur, là, ma conscience, je ne veux pas trahir ce peuple-là. C'est vrai, j'ai un problème. Si le CIC s'est effondré, voilà, bon, apprécié. On a prononcé là-bas des propositions de l'IGE, c'est l'IGE qui a identifié les gens pour dire qu'il faut sanctionner tel, il faut sanctionner tel. Moi, je ne connais personne. On a...